Patron. Bonjour, comment allez-vous? Monsieur Peirce, comment allez-vous? Bien. Venez voir, j'ai ce que vous cherchez. Regardez, c'est ça que vous vouliez? Non, non, je vous l'ai déjà dit, il me les faut plus jeunes. Ah, bon, d'accord, venez, venez, s'il vous plaît. Voyons voir ça. Il est sympa, non? Ah, couchy, couchy, couchy. Bon, vous savez, c'est dur à quand tu vas là. Oui, mais ça en vaut la peine, non? Ah, oh, j'ai tellement de frais! Allons dans vos pisteurs, coup de poing. Non, non, croyez pas ça! On verra, vous avez les documents. Tenez. Merci. Quand on pense au nombre d'animaux que le gouvernement vous achète, vous pourriez au moins respecter nos accords. Je traite tous mes clients pareil, les patrons de cirque comme le gouvernement américain. Ces chimpanzés sont sains, ça se trouve pas facilement. Hé, papa, regarde ça. Pas maintenant, petit, je suis occupé. Préparez les étiquettes. Celui-là, Institut Brown, section vétérinaire. Hôpital York, service hépatite. Hôpital Hopkins, cancérologie. Non, celui-là pour Hopkins. Et ce petit clown-là à l'université du Wisconsin. Département de psychologie. Oh, bonjour, petit chaton. Non, n'aie pas peur. Tu vas être content ici. Terry, venez voir votre nouvel élève. Surtout, ne vous vexez pas s'il lui faut quelque temps avant de vous accepter. Ça viendra, mais quelquefois, la chimie ne se fait qu'au bout d'une période assez longue d'acclimatation. Il faut patienter. Bon, tant pour moi. Mon petit bouchon. Bonjour. Virgile, regarde. Virgile, regarde ce que j'ai là. Oh, une pomme. Oui, tu adores ça, regarde. La pomme. Tu la veux? Bravo, mais... Virgile, Virgile, regarde. La pomme. Et tu n'en veux pas? Virgile, regarde. Pomme. La pomme. La pomme. Virgile. Virgile. La pomme. Tu la veux? C'est une pomme. Oh, pomme.
Tu vois ce geste? Ça veut dire pomme. Tu vois? Pomme. Regarde. Je la mange. Bon, bye bye. Un an plus tard. Bon, lavez bien. Non, pas manger maintenant, manger fini. Non, 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 maintenant pas jouer, maintenant travaille. Viens. Virgile, regarde. Où est le chien? Où il est? Bon, chien, dedans. Et là, où il est? Où il est? Bon, chien, dehors. Qui je suis? Qui je suis? Tu te rappelles? Cheveux jaunes, tu te rappelles? Terry? Bon, cheveux jaunes, c'est ça, bon. Qu'est-ce que c'est? Aider? Mais non, regarde. Comment? Je comprends pas ce que tu veux dire. Aider quoi? Aider à voler? Comme ça? Non, non, pas jouer maintenant. Non, travaille maintenant. Et assez. Ok. Regarde bien. Je vais écrire ton nom, ça veut dire qu'il est pour Virgile, l'alligator. Regarde. Non, non, pas maintenant. Ok, c'est l'heure de jouer. En place, en place. Vas-y. Prêt? Dans le panier. Vas-y. Mets-le. Vas-y. Vas-y. Bon. 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 Oh, docteur Criswell. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Terry. La Fondation de la Santé m'a appelé. Il ne... Enfin, on ne renouvelle pas la subvention. Salut, Virgile. Ça me désole autant que vous et... Mais vous avez assez de matériaux pour finir votre thèse. Et je crois que le doyen... Et attendez une minute. Là. Installe-toi. Tu veux des couleurs? Tu veux des couleurs? Oh, regarde. Tout va bien. Tout va bien. Bon, écoutez, Terry, je... C'est vrai, ça? J'ai bien peur que oui. D'abord, il y a des compressions de budget. Mais je leur coûte pas si cher. Je sais, mais ils ont dû faire des coupes sombres dans les subventions. Et puis, vous êtes en fin de parcours, alors...
On est tous enchantés du travail remarquable que vous avez fourni. Et vous avez une bonne chance d'obtenir une chaire à l'université. Ils veulent reprendre Virgile ? Terry, ce qui compte, c'est l'avenir, plus que votre attachement à cet animal. Faites-les venir. S'il voit les progrès qu'il a fait, ce qu'il a appris, je suis sûre qu'il... Il s'en fiche. J'ai plaidé votre cause ce matin, mais autant discuter avec un mur de briques. Ça m'est égal. Virgile part pas. Il est la propriété de la Fondation de la Santé. Je paierai le prix. Et où allez-vous trouver les 15 000 dollars qu'il leur a coûté? J'emprunterai. Et 10 000 dollars d'entretien annuel, plus les frais de vétérinaire et le reste? Allons. Je trouverai. Vous saviez bien que cet arrangement n'était que temporaire et qu'il faudrait le rendre. Je l'ai élevé à moi seule. Il ne connaît que moi. Comment pourrait-il s'en sortir sans moi? Il serait perdu. On vient d'ouvrir un zoo à Houston. Je crois que c'est là-bas qu'il doit aller. Il sera bien traité, aimé et bien soigné. Salut, beau blond. Te v'là dans l'aviation. Baisé, je suis mort. Oh, tu trouveras bien une parade. Je volerai jamais plus, je le sais. Je serai interdit de vol pour la vie. Ça t'étonne. Tu charries, non? Tu piques un appareil militaire et tu décolles avec une petite nanette et une bouteille de champ. Je suis foutu. Ouais, t'auras du bol si te reste des fesses pour t'asseoir. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'en sais rien. J'ai une idée. Tu dis au colonel que cette nanette a une terreur panique de l'avion. Qu'elle a un frère qui s'est planté dans un crash. Ou qu'il a été descendu au Vietnam. Alors t'as amené la fille pour la guérir de cette trouille. Des conneries pareilles, ça vous flingue les oreilles. Ça les fera hurler de rire. T'as raison. T'es foutu. Debout, Garrett. Mets ta belle robe, t'es convoqué chez le colonel. Tu vas faire quoi, alors? J'ai une chose à faire, une seule. Entrer chez le colonel, le regarder en plein dans l'œil et dire la vérité. Eh bien, voilà, le frère de ma fiancée était pilote de chasse au Vietnam. Et il a été descendu au-dessus d'Haiphong. Et alors, depuis, elle a une terreur panique des avions. Je me suis dit que la meilleure façon de l'aider à la vaincre, eh bien, c'était de l'emmener pour lui montrer qu'on ne risque rien en avion. C'est ça, et pour tirer un coup à l'œil. Je n'irai pas qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Vous êtes parent avec Jack Garrett? C'était mon père, mon colonel. Vous n'êtes pas allé à l'école de l'air, pourquoi? Oh, j'y étais, mais au bout de 2 ans, on m'a demandé de lâcher. Mon instructeur trouvait que je passais un peu trop de mon temps à me concentrer sur le football. Le football? Oui, mais sans jouer dans l'équipe.
Moi, je m'occupais des statistiques. Vous voyez, les pourcentages de réussite, la comparaison des équipes, ce genre d'analyse. Et je m'occupais des paris. Je mets fin à votre mission d'élève pilote. Et je vous affecte à un autre corps. Jusqu'à ce que vous sachiez obéir aux ordres. Projet X, expérimentation du potentiel de pilotage. Ce coup-là ne déconne pas. Non, colonel. Caporal Garrett, James au rapport, monsieur. Bonjour Garrett, je suis le docteur Carroll. Dites à Krieger de bien vouloir venir. Bien, docteur. La patrouille des cadets, vous avez une expérience du pilotage. Ça, c'est épatant, ça pourra vous servir. Sergent, le caporal Garrett, je le poste au service des techniciens de vol. Alors emmenez-le au vivarium et au boulot. Ah! J'ai reçu le rapport de simulation de vol du F-20. Apportez-le à la cellule de test. Je le verrai sur place tout à l'heure. Bien, docteur. Je voudrais juste dire que je vous remercie de me donner cette chance et je me réjouis de pouvoir apporter mon aide à ce programme. Bon. Appelle-moi Craig, tout court. On est une équipe soudée ici. C'est des simulations de raid de chasse? Ouais. Le mitraillage à l'atoll du Pacifique du Sud-Est. Waouh! Eh ouais, faut que les pilotes soient formés à sortir de toutes sortes de difficultés, que ce soit la météo, le terrain, etc. Oh, ça a l'air passionnant, ces expériences. Mais tu crois que je vais faire le poids? Bah, t'en fais pas, ça ira. Bah oui, mais je connais rien, moi, au jet et au bombardier. Je n'ai volé qu'avec des poils à frais. J'ai beaucoup à apprendre encore. Ah, pas toi. Eux. Vitesse en vol 504 degrés par seconde. On a ouvert l'enveloppe. Neutraliser le sillage ancien et rebrancher le pilote pour descendre standard. Ok. Et doucement. Numéro 5, stabiliser pour l'approche et enclencher la procédure d'atterrissage. Voilà. Ici, c'est le quartier de la troupe. On garde les nouvelles recrues ici jusqu'à ce qu'on puisse les intégrer au programme. Alors à ce moment-là, attends, on les transfère dans les cages permanentes. Attends. Mais quoi? Je me trompe ou c'est bien le centre expérimental de pilotage, ce qu'on appelle le projet X? Ouais, c'est exact. Mais c'est des macaques. Mais j'y connais rien, moi, aux macaques. Un, c'est des chimpanzés. Et deux, crâne patent. T'es un primate aussi, toi. C'est pas vrai? Si, bon. Alors, commençons par le commencement. Les colliers blancs, ils sont pour les bisous, bleu junior et rouge senior. Tu retiendras ça? Bon. Voilà Thalès, voilà ton tableau. Alors, il n'y a plus qu'à attaquer la manœuvre au début. Bon, tu y es? Commençons avec le chimpanzé numéro 14. Tu lui mets la laisse, tu l'emmènes à la pesée. Après, tu le mets dans la cage 5. C'est celle qui est là-bas. Je dois partir. En cas de besoin, tu siffles ce mec-là. Watts, raccroche ta clé comme tout le monde, tu veux? Salut, petit gars. Ok, allons-y. À ta place, je n'emmerderais pas trop. J'essaie juste d'arracher le bras d'un coup de mâchoire et puis de te cogner sur la gueule avec. Le sergent Krieger m'a demandé que je le pèse. Le Krieger, il connaît rien aux chimpanzés, ce chameau. Je m'appelle Isaac Robertson. Jimmy Garrett. Jimmy. À poids égal, mec. Ces greluchons sont 7 fois plus costauds que toi ou moi. Alors,
Écoute, je te conseille de commencer avec ce Ouistiti-là. Il a l'air d'avoir autant la trouille que toi. Méfie-toi quand même, hein, il peut te mordre. Ok. Hey, tu vas bien? Tu restes calme, ok? Vas-y. Écoute, oui, je sais, toi, tu préférerais peut-être te balancer dans les arbres, hein? Et moi, je préférerais piloter. Mais on n'a pas le choix, faut pas rêver, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu décides? Hein? Pas d'embrouille, ok? Je sais que t'es gentil, hein? Tu viens? Ok. Très bien. Bien, alors maintenant tu ramènes en arrière. Vers toi. Tu ramènes. Ramène. Tu ramènes. Oui, tu ramènes. Pas trop vite. Oui, c'est vrai. Oh. Monte. Allez, décolle. Bien. Tranquille. Oh là, petit mec, en souplesse. Voilà, sois plus cool, mec. Ah, bien. C'est ça. Oui. Bon. Ah. Ils sont tous pareils. La première fois, ils se crachent. Bon, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bien, il l'a mérité. Je me sens si idiot. Tu sais, Jimmy, il lui faut quelques jours pour se familiariser avec cet engin. On essaye encore? Ok. Donne-moi ton doigt. Appuie sur ce bouton. Maintenant, tu mets les gaz. Ok. Bon, pose bien les deux mains là. Oui. Tu roules jusqu'en bout de piste. Donne plus de gaz. Vas-y. Encore les gaz. Les mains bien droites. Tu es presque à la vitesse de décollage, vas-y. Très bien. Oui. Maintenant, stabilise. Ramène vers toi, doucement. Stabilise. Ça y est, stabilise. Vers toi. Et tu y es, vas-y, grimpe. Allez, grimpe. Grimpe. Allez, grimpe, grimpe. 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 Ramène vers toi, ramène. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, j'y comprends rien du tout, j'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ça, j'en sais rien, mec. Lâche pas le manche. Vas-y. Hé, attrape-le. Oh. Hé, reviens ici. Attrape-le. Reviens. Tu attrapes-le, Jimmy. Hé, reviens. Allez. Viens. Oui, viens. Numéro 4, viens. Ramenez votre pilote à son poste. Numéro 4, arrête. Ramenez votre pilote à son poste. Vous avez un problème? Non, c'est rien, docteur. Tout marchait très bien et tout d'un coup, il a... Je suis désolé. Très bien. Tourne la tête, tu veux? De Dieu, où tu te crois? Hé, hey, quoi de neuf, Watt? Oh, la merde. Total. Ouais, la lune est entrée dans la septième maison, mais moi, je reste sur le paillasson. C'est à cause de ces saloperies, Guillaume Hachet, que t'arrêtes pas de bouffer, ça tronche. JT, le jury te félicite, t'as réussi l'examen.
Donne-moi la main. Allez, maintenant, donne-moi ton cou. Où est-ce que tu l'emmènes? Hé, hey, le plouc. Tu vois ce collier rouge? Eh ben, le collier rouge, ça veut dire que JT est passé senior. Toi, t'es dans la cour des petits, alors oublie-moi. Oh, ça va, Watt, il t'a juste posé une question. Ben, dis-moi, il a été filtré, hein? Il est passé au contrôle de sécurité? Il a le badge? Il a été filtré? T'as été filtré, toi? L'empereur des singes, c'est toi? Allez, viens. Allez, viens, JT. Allez, en route. Venez, venez, belle demoiselle, montons ensemble jusqu'au ciel. Avant que ça pète sur la planche. Voguons ensemble jusqu'à Cythère, avant qu'on nous foute un clistère et que tout pète dans nos tripettes. Allez, souris. Allez, fais-moi un petit sourire. Allons, souris. Vas-y. Ah, ouais, je le savais. C'est au cirque que t'as appris ça, hein? Comment tu le sais? Oh, peu à peu, tu les sens, ces choses-là. Tu me donnes ta cigarette? Tiens. Vas-y. Très bien. Très bien. Ouais. Ouais, il a été dans un cirque. Des fois, ça les rend vicieux. Je pense qu'on les a fait bosser si dur pour faire les clowns que ça les rend mauvais. Ils veulent plus obéir. Il aime ça. Ouais, mais fumer, c'est un vilain péché. Tu boucleras, Jimmy. Oui, oui, sans problème. À demain, vieux. Salut, mec. Virgile, hein? Tu trouves que ça te va, ce nom? Il est à toi, cet alligator. Alligator. Canal 11, votre station de Floride. L'équipe des Buccaneers a soulevé l'enthousiasme des supporters qui emplissent leur stade flambant neuf. Pour la troisième saison consécutive, ils sont en huitième de finale. Mais le héros de l'équipe, c'est Steve Wilson, qui s'est joint aux volontaires de l'amitié, qui viennent en aide aux enfants handicapés. Tel le jeune Peter qui a été recueilli par une famille grâce à l'aide de Steve et des autres. Et aujourd'hui, c'est Steve qui fait appel à Peter. « Aide-moi, lui dit-il, aide-moi à faire connaître les volontaires de l'amitié. » Aide-moi. Salut. Aider. T'aider? Mais à quoi faire? Quoi? Ça, je comprends pas. Sortir? Aider à sortir? Tu veux sortir? Si monsieur veut bien se donner la peine... Hé là! Ah
nouvelle nana qui a débarqué, hein. Ah non, non, non. Non, pas elle. Déjà que j'aurais pas dû te laisser sortir. Ça veut dire quoi? Oh, oh, manger. Manger. Oh, manger ça, d'accord. Allons-y. Tu viens? Tiens. T'aimes pas ça? Quoi? Quoi? Oui? C'est le frigo, oui? Une pomme? Comme ça? Ça veut dire pomme, ça? Quoi? Et tu veux quoi? Tu veux ça? Ah! Tu veux la brosse? Ok? Tiens. Bonne nuit, Virgile. Levez l'index gauche, pointez l'index droit vers le bas et le faire tourner autour de l'index gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en agitant lentement l'index gauche. Placez la main droite contre le menton, la paume vers vous, ouvrez les doigts et décrivez des cercles devant votre visage en frôlant les lèvres. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il y a eu une pub pour un truc de charité. Et dans le coin de l'écran, il y avait une fille qui traduisait dans le langage des signes. Et elle disait, aidez-moi, voyez, à l'aide. Où elle mène votre histoire? Eh bien, c'est comme ça que je me suis rendu compte que Virgile utilise le langage des sourds-muets pour communiquer avec moi. Tenez, ça c'est le signe pour dire pomme, là. Non, Virgile, il n'y a plus de pomme parce que tu as donné la tienne à ta fiancée hier soir, tu te rappelles pas? Docteur, je crois que tout ça peut rendre d'énormes services pour le programme. Vous allez voir, ça c'est le signe pour manger, ça. Ok. Manger. Vas-y, manger. Tiens, vous avez vu? Oui, il semble qu'il a dû être conditionné pour faire ça. Comme le chien de Pavlov qui salivait dès qu'il entendait une cloche. On apprend ça à la maternelle, non? Non, 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 il fait des signes tout le temps, sans avoir besoin d'un signal, c'est spontané. C'est comme un chien qui remue la queue quand il est content. Et quand il veut sortir, il gratte à la porte. Vous appelleriez ça le langage des signes? Bien sûr que non. Mais c'est différent, il utilise des vrais mots. Garrett, tout ça est passionnant, mais ça n'a pas le moindre rapport avec la mission que nous sommes chargés d'accomplir ici.
Cela dit, je suis ravi de votre enthousiasme. Mais je vous conseille d'oublier toutes ces bêtises et de vous concentrer sur votre travail. Il y a sûrement une documentation qu'on pourrait consulter et pas alors on pourra mieux perdre comprendre. Avec ça. Non, bien sûr, vous avez bien raison. On se fiche de la documentation. Très bien. Ah, Barbe Bleue. Félicitations, grand-père. Ce coup-là, t'es prêt, mon pote. Ok, camarade, débarque ton pilote. Et descends. Comment ça va avec Goofy aujourd'hui? Oh, mieux, on dirait. C'est vraiment le plus con de la classe, celui-là. En chute libre. Je crois qu'on tient un pilote super chic, t'as fait du beau boulot. Oui, Virgile mérite la médaille d'or. Ok, stop, voler. Je t'adore. Hé, hey, champion, tape la main, vieux. Un cadeau. Bon appétit. T'en veux pas? Sortir? Vite. Ah. Je vois. Alors, Roméo, on a un rencard? Ok, c'est la fête. Pas trop loin, hein.
Garrett, je voudrais vous parler une minute. Écoutez, voilà, on aura la visite de l'inspection des services de Washington dans 3 jours et... Eh bien, je crois que votre animal est le plus qualifié pour une démonstration. Ah, c'est chouette. Oui, Virgil est le champion. C'est sûrement un champion, mais son entraîneur a peut-être eu sa part là-dedans. Non. Jimmy, vous avez gagné votre promotion. Vous allez remplacer Watts comme entraîneur des animaux qui ont le grade de senior. Vous avez les autorisations signées par la sécurité. Vous commencez dès demain en cabine de vol. Le sergent Krieger vous fera un briefing sur vos nouvelles missions. Mes félicitations, Jimmy. C'est gentil. Attends, je suis content. Oh, dis donc. Docteur Carroll, est-ce que ça veut dire que je vais plus être interdit de vol? Continuez à faire du bon travail, Jimmy. Oh, chouette. T'entends? On a une promotion. Bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est, le programme des seniors? Tu conduis tous les bestiaux à collier rouge pour l'entraînement dans la cabine de vol. Et garde ce badge sur toi et rends-le-moi en revenant. C'est tout? Oui, c'est tout en ce qui me concerne. Hé, attends. Willie Watts, il a eu un pépin ou quoi? Je sais rien. On y va, Barbe Bleue? Allez, parle pas comme ça. Très bien. Hé, hey, qu'est-ce qui te prend, vieux? On va pas te faire de mal, voyons, relax. Tu me fais confiance, non? Allez, donne la main, en route. Viens ici. Viens, petit. Allez. Thank you.
Prêt pour la phase initiale. Roger, c'est parti. Système au point A, un noyau désactivé, refroidissement en cours. Rentrez tout. Roger. Entrez le réacteur. Réacteur rentré. Pot terminal, sujet numéro 1015. Radiation neutron gamma contrôlée. Dose absorbée, 1200 rads. Radiation, hein? Ça va, t'es au sec. Et qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Oh, il va voler tant qu'il tiendra le coup. Jusqu'à ce qu'il crève? Ouais. Je voulais te le dire, tu sais. Pourquoi tu l'as pas fait? T'avais pas le feu vert de la sécurité. Bon, écoute, arrête ton baratin de merde. Tu étais mon copain, paraît-il. Mais à quoi tu crois qu'il joue ici? Tu les as vus embarquer JT, hein? Et quand il entre pas, tu poses des questions? Non, tu te doutais donc de rien? Non, je savais rien. Très bien. M'explique, c'est... Ils sont tous... Ah oui, tous. Bon, écoute. Ils irradient ces bêtes pour calculer combien de minutes elles restent capables de piloter, histoire de voir si des pilotes irradiés pourront atteindre la Russie le jour où éclatera la Troisième Guerre mondiale. Et tu peux rien y faire, mec. C'est ça, l'armée. Jimmy, faut faire ton job, ou bien tu finiras comme Watts. Et au fait, explique-moi, où il est, Watts? Il a craqué. Il s'était trop attaché à eux. Un fou dangereux? Non. Ça lui s'appelle moral. Alors il a déserté. Fais comme moi, Jimmy. Ces chimpanzés, traite-les bien. Mais attention, ne t'attache pas à eux ou t'es cuit. Fais pas le con, sinon... Maintenant, l'empereur des singes, c'est moi. Écoute, Jimmy. Si on t'a filé cette promotion... Tu peux pas dire non. Alors fais ton boulot, sans gamberger, sans te poser de questions.
Tu seras bientôt libéré et là, tu verras, t'oublieras ce merdier pourri. Bonne nuit, Jimmy. Salut. Hé, hey, fini. Ne leur apprends plus rien, c'est dangereux. Viens, c'est l'heure de la pesée. Hé, hey, reviens. Virgile, je dis reviens, t'entends? Donne-moi la main. Allez, monte sur la balance. J'ai dit monte, allez. Je t'ai dit de monter, reste là. Sale con, tu te décides à monter, bon Dieu. Non. Non. Stop, pas jouer. Non, pas jouer maintenant, compris? Monte sur la balance. Fais ce que je te dis. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que... Donne-moi ça. Oh, tu fais chier, Virgile. Lieutenant Maxwell, en salle de contrôle, je vous prie. Viens. Allô? Allô, c'est Teresa McDonald?
Voilà, on ne se connaît pas, mais on a un ami commun. Virgile. Hein, quoi? Il va bien? Oui. C'est vous qui lui avez appris le langage des signes? Oui. Alors écoutez, je sais que ça ne me regarde pas, mais je voudrais savoir pourquoi il est ici. Je veux dire, après vous êtes donné tant mal pour lui apprendre... Une petite minute, d'où est-ce que vous appelez? Lockridge, la base militaire où vous l'avez expédié. Quoi? Une base militaire? Il est censé être aux Houston, au Texas. Qui est à l'appareil? Là, je suis désolé. Je peux pas vous dire mon nom, j'aurais même pas dû vous appeler. Si on l'apprend, on me flinguera les fesses. Oui, oui, mais comment est-ce que... Excusez-moi. Non, non, attendez. Les intégrer dans le programme. Redis-moi ton nom, j'ai oublié. Curtis, sergent. Ah oui, Curtis. Bon, alors le collier blanc, c'est pour les bisous. Le bleu, pour les juniors. Et le rouge, pour les seniors. Tu retiendras ça? Il n'a pas de laisse, celui-là? Non, non, il déteste la laisse. Mais très obéissant, si on l'emmerde pas, tout ira bien. Docteur, j'ai demandé à voir le colonel aujourd'hui. Je veux être transféré, être relevé du projet X. Quel est le problème? Je ne crois pas être taillé pour ça. Asseyez-vous. Voyons. Vous voulez devenir pilote? Je suis au courant. Mais sans ces expériences que nous menons, nous ne pouvons pas savoir si les pilotes seront capables de remplir leur mission s'ils sont soumis à des radiations ionisantes. Oui, oui, je sais, je me rends compte de tout ça. C'est juste que... Par exemple, Virgile, celui qui connaît le langage des signes. Oui, bon, je sais que vous n'y croyez pas, mais je vous assure qu'il sait parler. Et il me semble que qu'on doit pouvoir mieux l'utiliser que pour ce genre d'expérimentation. Je vois que vous vous êtes attaché à cet animal. Et ça doit être assez dur de penser à ce qui va lui arriver. Mais écoutez-moi. Il est parfaitement naturel d'éprouver de la pitié. Vous ne seriez pas humain si vous n'aviez aucune pitié. Et du reste, je vous félicite d'avoir eu le courage d'en parler. Mais vous verrez, ça ira mieux très bientôt. Ça va se cicatriser. Jimmy, voyons, vous ne me prenez pas pour un monstre. Vous croyez que je sacrifie ces animaux par plaisir? Je sais que vous avez eu des petits ennuis avant de venir ici, mais en quelques semaines, vous êtes devenu un de mes meilleurs collaborateurs sur ce programme. C'est vrai? Ça, je le dirai tout net au colonel. C'est gentil, merci beaucoup. Vous allez bientôt retrouver vos ailes de pilote. Oh oui, on passera l'éponge. Alors, Garrett, comment allons-nous? Oh, merci, très bien, colonel. Le général, c'est le fils de Jack Garrett. Ah oui? J'étais un ami de votre père. Il travaille au programme des tests. Beau travail, continuez, caporal. Ah, général. C'est la montagne qui va à Mahomet, hein? Docteur, j'espère que vous avez encore de la place pour demain. Le sénateur Denise voudrait voir tout ça. Oh, on va bien un instant. Lieutenant Shine au vivarium. Lieutenant Shine au vivarium. Viens, je te paye une bière. C'est Noël. Allez, Charlie. Possibilité de flush pour Hadfield et que dalle pour Eddie. Ça, c'est un pot. Une paire de trois. Ouais. Tire. D'accord, les flambeurs, ça va cogner. Je mets un gros dollar. Ça, ça va. Je suis. Alors, je crache. Et maintenant, c'est toi qui vas cracher. Hein, t'avais le brun. Oui, quel chien. La panthère. Ça va la panthère? Je vous offre un verre? Merci, je m'en vais. Voilà ton dollar. Et je mets un dollar de mieux. Je te vois. Tu vas pleurer, ma pauvre bête. Une quinte au valet. Ôte tes pattes, Hadfield. Ôte tes pattes, j'ai un full. Les as parlaient vite. Là, je t'ai flingué les fesses. Je t'ai flingué.
Jimmy, merde, quand on a un pot pareil, qu'est-ce qu'on fout dans l'aviation, tu veux me dire? Et quand on est aussi débile que toi, comment on fait pour y rester dans l'aviation? Hey, Jimmy, tu me prêtes 20 dollars? Ah, si je te les regagne, ça en fera 40. Un pauvre con, là. Excusez-moi. Hein? Et si je vous payais un verre? Pourquoi je dirais non? Bon, ce sera quoi? Une bière. Une bière, oui. Deux bières. Ok, bon, où est le gag? C'est pas un gag. Écoutez, ce coup-là, c'est pas la première fois qu'on me le fait, vous savez. Mais là, qui est-ce qui a monté cette blague? Vous seul. C'est votre coup de fil d'hier soir. Je suis Terry McDonald. J'ai traîné dans ce bar toute la soirée et j'allais rentrer à l'hôtel quand j'ai reconnu votre voix. Vous vous appelez Jimmy? Vous avez appelé, hein? J'étais si énervée après votre appel que j'ai décidé de prendre le premier avion. Depuis ce matin, je fais le tour de la base, mais personne n'est au courant d'expérience avec des chimpanzés. Vous avez bien fait de téléphoner. Si on a expédié Virgile ici, c'est forcément par erreur. Écoutez, ce qu'on fait ici, c'est top secret, vous voyez? Et si on apprenait que j'ai discuté avec vous, je serais mis au mieux pour trahison. Ok, ok, si vous ne pouvez rien me dire, qui je peux voir? Mais personne. Je vous le dis, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de reprendre l'avion, rentrer chez vous et oublier tout ça. Non, partez pas, attendez, vous m'avez appelé. Vous avez peut-être eu tort, mais c'est trop tard. On m'a raconté des blagues, ils avaient promis qu'ils seraient envoyés aux nouveaux zoos de Houston. Et j'ai pas passé 3 ans de ma vie à l'éduquer pour qu'il finisse torturé dans des laboratoires de l'armée de l'air. Non, il n'est pas torturé, il faut pas parler de torture, c'est idiot, ok? Mais c'est fini, on n'expédie plus de singes dans l'espace, hein? Du reste, l'aviation et la recherche médicale, ça fait de bon. Qui pourrait me dire la vérité? J'en sais rien. Non, il n'y a rien à faire, j'y peux rien. Pardon, je dois vous laisser. Quoi? Je suis désolé, c'est moche, mais je suis coincé. Excusez-moi. Oh. Ils sont arrivés. Viens avec ton pilote dans la cabine de vol. Traînons pas. Allez, secoue-toi. Elle est idiote, cette gueule, elle s'est mariée. Elle s'est mariée? Il y avait à l'heure bonne. Non. Allez, Gareth, mêle-toi. Grouille, c'est pas le moment de rêvasser. Amen, Gareth, on nous attend. Gareth. Non. Quoi? On n'a pas le droit de faire ça. T'es tombé sur la tête? On te rend compte de ce que tu dis? Ça va, amène-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, docteur. Un accrochage sans importance. Oui, c'est le chimpanzé qui s'accroche à son manche à balai. Ici, c'est le vivarium. C'est le quartier où logent nos jeunes recrues animales durant la période d'entraînement. Il a été conçu en fonction d'un triple impératif, économique, humanitaire Robertson. Et scientifique. C'est ici que sont entraînés les sujets pour notre programme d'expérimentation du potentiel de pilotage que nous appelons ici le
dresseur et entraîneur, a été rigoureusement sélectionné et formé. Et il peut faire face à tous les schémas possibles de ce programme de test. Je voudrais être certain de l'argent des contribuables qui investissent dans le sien. Donnez-le-moi. Bien petit. Allons-y. Pardon. Supposons, messieurs, que les bombardiers de notre force stratégique soient attaqués en vol. Le problème est de connaître la durée de survie de l'équipage, lui permettant de mener à bien sa mission avant d'être neutralisé. Certains prétendent que l'ère des bombardiers est révolue. C'est à nous de prouver qu'ils sont encore l'arme clé dans un conflit nucléaire. C'est pourquoi nous étudions ici les effets des radiations sur le potentiel de résistance ponctuelle d'un être humain. Dans cette cabine, les sujets sont exposés aux effets d'une déflagration atomique. Après quoi, nous mesurons leur capacité à continuer de piloter leur appareil pendant une durée de 6 à 10 heures. Une étude peut être valable avec des chimpanzés. Oui, les caractéristiques génétiques du chimpanzé sont à 98% identiques à celles de l'homme. Toutes les fonctions essentielles, cardiaques, respiratoires et le système nerveux sont virtuellement les mêmes que les nôtres. Ce sont ces animaux qui sont le plus proches de l'homme. Eh bien alors, pourquoi ne pas les dresser à piloter de vrais avions? Eh oui, ça économiserait des vies et des dollars. Messieurs, l'objectif de l'opération est d'entraîner ces primates à reproduire les automatismes nécessaires à un pilote pour mener à terme sa mission. Là, vous allez assister à une exposition moyenne du sujet. Nous pourrons mesurer l'abaissement du potentiel de performance après contact avec des radiations ionisantes. Veuillez mettre vos lunettes de protection et les garder jusqu'à la fin de la démonstration, je vous prie. Lieutenant, faisons le test en lumière du jour. Bien, docteur. Décollage effectué. Déverrouillez les systèmes de sécurité. Déverrouillé. Exposé à une dose de 3500 rads. Il sera à 5000 mètres du point d'impact théorique de l'engin. Réacteur activé. Si vous n'avez plus d'autres questions, messieurs, je donne le signal. Moi, j'ai une question. Docteur, s'il est déjà prouvé que nos pilotes survivraient le temps nécessaire, pourquoi tuer ce chimpanzé par irradiation ?
Dans ce programme précis, nous explorons toutes les possibilités de scénario d'un conflit nucléaire. Le risque est différent entre un pilote qui traverse un nuage radioactif et celui qui est pris dans le souffle d'une bombe de 20 mégatonnes. Écoutez, ce chimpanzé, il y a une chose qu'il ne sait pas. Même s'il est exposé aux rayons, il continuera à piloter son appareil comme on le lui a enseigné. Mais si c'est un homme qui pilote, lui réagira autrement. Parce qu'il saura qu'il va y rester. Et très bien, Garrett, bravo pour le speech, vous pouvez disposer. Mais maintenant que vous savez ce que vous vouliez savoir... Ça suffit. Pourquoi continuer à les tuer? Ce n'est ni l'endroit ni l'heure pour discuter de ces histoires. J'admets que Garrett soulève des questions capitales, mais nous les avons déjà réglées, ces problèmes-là. Il est tard, messieurs. Je vous propose de reprendre ça demain matin. Je crois qu'il y a un cocktail dans une demi-heure à peine au club des officiers. Entendu, messieurs. Vous pouvez laisser ici vos dossiers et vos lunettes. Vous les retrouverez demain matin. Le test d'irradiation est suspendu jusqu'à demain. Bien, docteur. Verrouillez le système de sécurité. Système de sécurité. Garrett, cette fois-ci, vous êtes fini. Coupez contact. Faites votre pactage contact. Et fichez le camp de cette base. Partez. Et si jamais vous refoutez les pieds ici, croyez-moi, vous allez finir vos 2 ans de service à la prison militaire. Est-ce que c'est bien clair? Et ce n'est pas une promesse en l'air. Position du réacteur. Réacteur désactivé. Bien, terminé. Engagé procédure d'atterrissage. L'exercice reprendra demain matin à 7h45. Procédure d'atterrissage engagée. Merci. Pour l'aéroport, je prends à droite, hein. Ah oui, au deuxième feu rouge, vous prenez. Attendez, elle part pas. Pas question d'aller à l'aéroport. Si, faut que je parte. Je vais à Washington. J'ai dit aux gens de la Fondation de la Santé ce qui se passe ici, ils sont scandalisés. Ça vous apportera rien. En tout cas, ça vaut mieux que de ne rien faire du tout. Non, vous n'avez pas de temps à perdre. Je vais kidnapper votre Virgile, mais faudra que vous l'emmeniez d'ici, cette nuit. C'est par là qu'on sortira. Vous en faites pas, ça va marcher, vous verrez. Salut. À Peter qui perce à travers la défense. Il cherche Covington qui est bien placé et qui va tirer. Oh, faut rendre le panneau. Mais il récupère la balle. Merde, c'est une passe ouais. Pas cette défense. 2 points d'écart. Allez, sors ton pognon. Ah, 2 points, c'est vraiment pas trop. Crash, t'as perdu. Mais c'est pas une catastrophe. Attends le match retour, tu vas voir. Au début de la seconde mi-temps, Denver menait par 58. Mademoiselle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. L'expérience des Diables Bleus de Miami a payé. Voici Joe Covington, le capitaine des Diables Bleus. Alors, Joe, content que cela... Bah oui, entrée non autorisée, c'est quoi ce bordel? Thank you.
Allez, descends. Restez tous derrière moi. C'est moi le sergent Krieger. Partez pas, vous. Eh bien, sortez-le de son lit, crétin. Ici, c'est le docteur Carroll. Centre de recherche sur les armes stratégiques. Pardon de vous déranger, madame. Oui, oui, je sais qu'il est tard, mais il faut absolument que je parle au colonel. Lieutenant, il est inutile de l'alerter pour cette histoire. Ah, bonsoir, mon colonel. Désolé de vous déranger. Oui, oui, 4 heures du matin, je sais, mon colonel. Mais nous avons une alerte, code 3. Oui, les animaux du vivarium. Ils ont investi tout le périmètre du complexe et... En fait, les singes foutent le bordel partout, mon colonel.
par ici. Oh, quel cirque. Est sorti. Merci, docteur, on a remarqué. Je tape 170 Delta D, cabine de vol à l'écran. Viens, viens! Winston, viens ici, donne la main. Oui, la main. Allez, reste pas là. Spike, descends, Spike! Spike, bon Dieu, descends là! Spike! Allez, reste pas là. Sauve-toi, vite, vite! Goliath! Viens, viens! Évacuez la cellule. Allez, viens! Arrête! Évacuez la cellule. Goliath, viens! Goliath! Goliath, viens! Viens, allez, viens! La température du noyau monte, faut désactiver d'urgence. 2, 0, 0. Merde, c'est bloqué! Goliath, viens! Évacuez la cellule! Viens, évacuez la cellule! Évacuez! Arrête, faut le temps! T'entends? Tout va péter! Jimmy! Goliath, viens! Viens, viens vite! 10 secondes de la mise à feu. Amène-toi, Goliath, viens! Viens! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dans la cellule. Aucune contamination à l'extérieur. Ça va? Oui. Descendre, qu'est-ce qu'il y a? Le bloc de secours est hors fonction. La chaleur a dû provoquer un court-circuit. Si on ne peut pas faire redescendre le réacteur, il va y avoir une surchauffe. Et alors? Alors quoi? Alors quoi? Garrett, vous me recevez? Garrett! Oui? Écoutez, il n'y a pas de fuite à l'extérieur de la cellule, mais faut filer de là, on n'arrive pas à faire redescendre le réacteur. Oui, je sais, il y a un extincteur coincé sous le bloc. Garrett, évacuez la cabine, vous entendez? Garrett, il y a une possibilité de fusion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Évacuez immédiatement. Garrett, vous m'entendez? Ça va sauter. Garrett. Hé, Goliath. Hé, viens ici. Regarde ce que j'ai, viens. Allez, viens, Goliath, j'ai un cadeau pour toi. Viens voir. Viens. Viens ici, Goliath. Viens voir. C'est pour toi. Et viens, viens voir. Mais viens, Goliath, regarde, j'ai un cadeau. Oui, regarde, c'est bon. Allez, viens, viens. T'en veux pas? Mais si tu la veux, regarde la cigarette. Et viens, Goliath, viens voir. Tiens, regarde la cigarette. Tu la veux? Tu veux la cigarette? Ici la sécurité, alerte maximum. Garrett, arrêtez de déconner. Tu veux une bonne cigarette? Tu la veux? Oui. Bon, alors écoute. Va chercher ce truc-là d'abord. Va chercher ça. Apporte-moi ce truc-là. Apporte-le-moi. Goliath, va le chercher. Vas-y, Goliath, vas-y, apporte-le. Apporte-le. Très bien. Très bien. Non, pas ça. Non, pas l'avion, l'extincteur. Non, pose ça, Goliath. Pose ça, c'est pas ce que je veux. Je veux ce truc rouge, là-bas. Va le chercher. Apporte-moi ce truc rouge, là-bas. Là-bas, vas-y. Allons, Goliath, allons. Apporte-moi le truc rouge. Et vas-y, Goliath, vas-y. Jimmy. Ça! Apporte-moi ça! Vas-y! Le même truc que ça, rouge! Va oui, le chercher! Ça, ça, cherche-le! Apporte-moi l'autre! Allez, apporte, apporte! 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 Allez, allez, apporte-moi le truc rouge et tu as la cigarette! Apporte-le! Apporte! Le truc rouge! Le truc rouge! Oui, 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 vas-y, c'est ça! C'est ça!
Oui, apporte-le-moi. Oui, ce truc-là, oui. Apporte l'extincteur. Tire, tire. Oui, oui. Mais allez, bon Dieu, allez, bon Dieu. Allez, tire, tire. Allez, tire, tire. Plus fort, plus fort. Oui, tire, tire, tire. Oui, mais tire, je te dis, tire. Oui. Tire, Goliath. Tire fort, tire, vas-y. Attends. Vas-y, Goliath, encore. Vas-y, encore, vas-y. Oui, très bien. Oui. Ça y est, ça y est, ça y est. Goliath, Goliath. Où on en est? On est OK. Aucune fuite à l'extérieur de la cabine de vol. Bien, Goliath. C'est bien. Très bien. Bien, Goliath. Très bien. Très bien. Merci. T'es un as, Goliath. Merci. Oui, tout va bien. Bon, ramenez cette bête au vivarium. Je veux que tous les chimpanzés soient bouclés dans leur cage. Docteur Carroll, c'est Terry McDonald. C'est elle qui avait dressé Virgile. Il n'aurait jamais dû être amené ici. Il faut le lui rendre, c'est possible? Garrett, écoutez, d'abord bouclez-le dans sa cage. Pour le reste, on en reparlera demain. C'est clair? Docteur, on ne pourrait pas en parler maintenant? Garrett, ici le colonel Nils. Faites ce que dit le docteur Carroll, c'est un ordre. Oui, mon colonel. Allez-y, réintégrez vos bêtes dans leur cage. Très bien, bon, on y va. Allez, on fout le camp d'ici. Ginger, donne la main. Allez, allez, par ici, par ici. Amenez-vous, les gars! Vite! Mais par ici! Par ici! Dépêchons! Viens, bon! Dépêchons, vite, vite! Allez, grimpez! Attention! Allez, venez, venez! Attention! Où est la clé? Sur le contact. Mais non, elle n'y est pas. Je l'ai laissée là, j'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Allez, descends, descends, Goofy. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vite, descendez. Viens, Ginger. Pressons.
Allez, rentre. Installez-vous, les louveteaux. C'est un avion militaire, vous allez quand même pas le voler, si? C'est pas grave, je fais ça tout le temps. Et on va jusqu'où? Jusqu'à la panne sèche. Cette fois, tu voles. C'est vrai. T'es mon copilote, bonhomme. Sortez de l'appareil. Et dépêchons, mignonne. Allez, dépêchons. Avancez, restez pas à côté de l'appareil. Plus vite que ça. En haut. Par ici, dans la Jeep. Montez à l'arrière. Allons-y. Allez, allons-y. Pressons. Allez. J'appelle unité 1-5. Je survole la zone. Avez-vous besoin d'assistance? À vous. Négatif. Les suspects ont été interceptés et l'appareil est gardé. Bien reçu, 1-5. Le QG sécurité signale qu'une escouade de dresseurs va venir prendre possession des animaux. Je reste en couverture. À vous. Bien reçu, Fox 2. Vous restez en couverture jusqu'à la fin de l'opération. L'unité au sol reste aussi en position. À vous. Bien reçu, 1-5. Terminé. Mais oui. Pourquoi pas? Toi, vole. 1-5, appelle Fox 2. Signalez quand les renforts arrivent. Unité 1-5, j'appelle la sécurité aérienne. Je signale un appareil qui fait route sans autorisation vers la piste d'envol 3. Je répète, piste d'envol 3. Ici Fox 2, appareil non autorisé repéré, je prends en chasse. Ici tour de contrôle, appareil actuellement en bout de piste et en procédure de décollage. Thank you.
de contrôle, appareil 212-9-5. Vous n'avez pas l'autorisation de décollage. À vous. Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de décollage. À vous. Mon pote, tu vas être interdit de vol à vie. T'as intérêt à répondre. Des Everglades. Ici Fox 2, bien reçu, je prends le cap 370 pour interception avant la balise. À vous. En perte de vitesse. Il est au 145 par 11 de la balise. Il va au crash. Ici, tour de contrôle de Lockridge. Appel à tous appareils en vol. Appareil pirate en perdition au 145 par 11 sur la balise des Everglades. Ici, on a papier. Il y a trop de fond. Il faudra un bateau, mon colonel. Laissez tomber. Colonel, il faudrait du matériel de dragage pour récupérer l'appareil. Faites ce qu'il faut. À vos ordres. Mais pourquoi ils sont là, tous les deux? Mon colonel, si on veut essayer de retrouver les animaux, on va avoir besoin d'eux. Alors qu'ils dégagent d'ici, mon Dieu, et vite. On a déjà eu assez de bordel comme ça. Mon colonel, pour Garrett, je me demande si on doit engager une procédure. S'il passe au tribunal militaire, les événements de cette nuit vont faire la une des journaux et ça risque... Oui, ça je le sais. Consignez Garrett dans ses quartiers le temps que j'explique tout ça au général. Bien, mon colonel. Allez, on évacue la zone jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle officiellement que tout ce que vous avez vu ici est classé confidentiel défense. Alors vous la bouclez. Je voudrais lui dire un mot, c'est OK? Bon, on fait vite. Tu entends? Signe pour liberté. Toi, liberté. Thank you.